qu'en lui annulant sa dette, on peut s'acquitter de Matanot Laevionim, où il faut lui donner Dafka de l'argent. Amochel Chov Leani, Aim Yatsa Yedechovat Matanot Laevionim. Amochel Leani Al Chovo Oshepara, Chovo Shelani Bechanut Amakolet, Lo Yatsa Yedechovat Matanot Laevionim, Kevan Shearchav et Ani Lo Kibel Mimenu Klum. Il faut que le Ani reçoive quelque chose. Donc si on lui dit juste, bon, tu dois 100 shekels, je te pardonne, ça n'acquitte pas de Matanot Laevionim parce qu'il faut donner. Matanot, il faut donner quelque chose. Concrètement, Omnam Igiazman Aperaon Veani Bali Froa Chovo Imkaspo Beyado Ve Malve Mochelo Alachiyuv Yatzer De Chovat Matanot Laevionim. Par contre, s'il est avec son argent, il vient pour donner l'argent, il dit c'est bon, étant donné qu'il a de l'argent dans la main, alors à ce moment-là, ce serait bon, on s'acquitte. Concernant les Ktanim, il y a beaucoup de Chinuch à Purim. Aim Ktanim Chayavim Lekaim Mitzvot Mishloach Manot. Est-ce que les enfants ont l'obligation de faire Mishloach Manot? Alors, Midin Chinour, Mitzvah Lechaner Yeladim Megil Chinour, la tête Mishloach Manot Kalacha. Donc, c'est bien, c'est pas seulement de les envoyer pour donner nos Mishloach Manot, c'est aussi qu'eux, ils s'habituent aussi à donner des Mishloach Manot, même s'ils n'ont pas l'obligation. Megil Mitzvot Mitrayev Midina Afalpi Shesmurim Ashulchan Aviem, et à partir de la Bar Mitzvah, donc ils doivent faire aussi maintenant Mishloach Manot, même si ce sont les parents qui financent. Quand même, les enfants doivent quand même faire Mishloach Manot, donc on doit donner les moyens aux enfants de faire Mishloach Manot. Ça, c'est beau.